Pour commenter ce résultat, Juliette, nous sommes avec le député communiste du Puy-de-Dôme, André Chassaigne. Bonjour André Chassaigne. Bonjour. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est le résultat auquel vous vous attendiez ? Ben, j'aurais préféré, bien évidemment, que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui soit au second tour. Mmh. Parce qu'effectivement, là, la situation est quand même assez grave pour notre pays, puisque d'un côté, on a la candidate qui est la candidate de la division, de la haine, et qui même serait une menace pour la sécurité de notre pays. Et d'un autre côté, on a un candidat qui est quand même le porte-parole des milieux financiers, qui n'est absolument pas un candidat qui porte un programme de gauche, un programme de transformation de la société. Ah, vous n'étiez pas forcément un grand fan de Jean-Luc Mélenchon, le candidat choisi par le Parti communiste au départ. Là, donc, il arrive quatrième, juste en dessous des 20%. Il y a Benoît Hamon qui dépasse à peine 6%. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ce qu'aurait pu faire la gauche dans cette élection ? Bien sûr. Or, d'une part, bien évidemment, je me félicite de la percée de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle est réelle. Elle est réelle aussi en Auvergne. Hein. C'est vrai que les Auvergnats l'ont placé en deuxième position, Jean-Luc Mélenchon. C'est une percée réelle, donc qu'il faut saluer. Mais pour autant, c'est vrai que la gauche est éliminée. Et pour ma part, j'ai beaucoup de regrets. Quoi. Et je pense que nous aurions pu peut-être, sans doute, en se rassemblant toute la gauche antilibérale, être au second tour et puis gagner cette élection. Mais les choses sont là, il y a eu plusieurs candidats et au final, c'est vrai qu'on échoue de très peu. Cette gauche, justement, qu'est-ce qu'elle va faire dans l'entre-deux tours ? Parce que voilà, il y a un précédent du 21 avril 2002. Là, c'est quand même très différent. Marine Le Pen, c'est pas son père. Elle recueille un vrai vote d'adhésion. On sait qu'elle va aller chercher ses voix de la gauche. Elle va jouer sur la corde sociale. Comment est-ce que la gauche va réagir pendant cet entre-deux tours ? C'est pour moi, il n'y a pas de différence entre Marine Le Pen et puis son père. C'est le même programme, en fait. Un programme qui, pour l'essentiel, s'appuie sur la division, ça porte la haine, le rejet de l'autre, sur des rivalités nationalistes. Donc, je ne fais pas de différence entre Marine Le Pen et son père. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui est essentiel, et je pourrais même dire, c'est une responsabilité historique de faire en sorte qu'elle ne soit pas élue. Et le seul moyen, bien sûr, que l'on a pour qu'elle ne soit pas élue, c'est de voter pour Emmanuel Macron, même si on est en opposition frontale avec le programme qu'il peut porter. Et ça, c'est un pas que n'a pas franchi Jean-Luc Mélenchon. Il laisse ses électeurs libres de leur choix. Et on sait qu'il y en aura des électeurs de gauche qui ne vont pas aller voter, justement parce qu'ils refusent de donner cette voix à Emmanuel Macron. Non, il n'a pas dit ça, Jean-Luc Mélenchon. Il a dit qu'il allait consulter ceux qui l'ont soutenu, c'est-à-dire tout le réseau des Insoumis qui a soutenu avec beaucoup de dynamisme sa candidature. Mais je crois quand même que les choses sont claires, du moins dans les propos que j'ai entendus. C'est barrer la route à Marine Le Pen. Alors, tout ça, c'est une question de mots. Moi, personnellement, j'aime pas trop la langue de bois. Donc, je pense que si on dit barrer la route à Marine Le Pen, ça veut dire bien évidemment qu'on saisit, même si on n'est pas d'accord avec son programme, du bulletin Macron. Quelle perspective il y a maintenant pour les législatives ? Parce qu'en effet, vous soulignez cette percée de Jean-Luc Mélenchon, mais comment capitaliser là-dessus aux législatives ? Est-ce qu'on risque pas de se retrouver, encore une fois, avec des divisions, des guéguerres entre candidats de la France Insoumise, du Front de Gauche, du Parti Socialiste ? Comment ça va s'organiser tout ça ? Moi, je crois qu'il faut, véritablement, qu'on travaille un rassemblement, mais qui soit pas un rassemblement, j'allais dire, rétréci. C'est vrai qu'on a des gens qui sont proches du Parti Communiste, d'autres plus largement du Front de Gauche, il y a la France Insoumise. Il y a des socialistes que je qualifierais de socialistes de gauche. Il y a des écologistes qui sont de gauche aussi. Donc il faut qu'on travaille à réinventer une gauche qui soit une gauche de combat. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête dans le cadre des élections législatives et effectivement pas nous opposer les uns aux autres. Essayer de réinventer, de construire ce que serait une nouvelle gauche dans notre pays. Merci beaucoup André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme. Bonne journée à vous.